Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, fidèle au poste comme chaque jeudi soir sur 01nettv.com ou sur YouTube. On est ravis de vous retrouver pour 01live2. Vous le savez, 01live, c'est chaque jeudi soir. Le débrief de l'actualité de la semaine, de la semaine bah, sauf que, va pas ce, trop vite, va pas trop vite. sauf que ce jeudi c'est pas tout à fait ça, Jérôme. Non, mais que se passe-t-il Ce jeudi est un peu particulier. Ouh là là C'est vrai. Écoutez, on va laisser momentanément de côté les smartphones, les ordinateurs, les objets connectés, etc. Il on revient parler, donc la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais vous allez voir que vous allez néanmoins en prendre plein les mirettes. Elles sont high tech, elles oui. sont bourrées de fonctions innovantes. Elles sont numériques, elles font rêver. Ce sont les voitures connectées. On va parler de bagnole aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Jérôme, tu y vas vraiment Carrément. très très fort là. et eh oui, puisque Zéro 01 Live est dédié en fait au prix de la voiture connectée 01net. Si vous êtes un, un fidèle de 01net.com et 01net TV, vous le savez, depuis plusieurs semaines, on vous tease là-dessus, on vous en parle avec trois catégories. On va découvrir ce soir les gagnants de ces trois prix. Euh, il y a le prix de la voiture luxe. Il y a le coup de cœur et le prix de la voiture connectée 01net 2017. Voilà ce qu'on va vivre ce soir. Extraordinaire. Comme d'habitude, il euh, y a une chose qui ne change pas. En non. revanche, c'est la question 01net Orange. Le petit sondage que nous soumettons à votre sagacité comme chaque jeudi. Et la question de ce soir, la voici. Quelle est la techno que vous préférez dans une voiture, les amis L'affichage tête haute, voilà. la compatibilité Android Auto ou CarPlay, le Wi-Fi intégré ou bien le stationnement automatique. Alors, il y a plein d'autres choses, mais on a choisi, c'est vrai, quatre fonctions qui font déjà pas mal rêver. Et puis, j'adore, hein, t'as vu, dès qu'on dit une, une fonctionnalité, paf, il y a un petit bouton rouge qui apparaissait sur la question est Zéro Net Orange. Ouais. C'est beau, quand même, le progrès. Bravo, Pierre. Magnifique. Donc, n'hésitez pas à voter. On fera un petit point sur cette question Zéro Net Orange dans un instant. Mais allez, je crois que le suspense a assez duré, les amis. Il est temps de découvrir le premier prix de cette voiture connectée. C'est la voiture Luxe 01 Net. On en parle tout de suite. La voiture luxe, on démarre quand même par un gros morceau. Oui, la tienne, hein Jérôme, donc Non, malheureusement. Non malheureusement pas la mienne. Ah, on a trois finalistes, oui euh, dont on va rappeler les noms très rapidement, mais d'abord, euh, nous accueillons... Pauline Ducan qui est là. Bonjour Pauline. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Bonsoir Pauline. Alors Pauline, euh, c'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent, ma chère Pauline, euh, sur Zéro net TV. Mais c'est même la première fois que Et je, je suis pense qu'il va vous falloir remé remé remédier ravi, à ça. Ravi d'être avec vous dans ce studio. Vous, vous êtes journaliste spécialisé auto à BFM euh, TV. Com. Tout à fait. Exactement. Euh, et donc, vous, avez, vous faites partie du jury, en fait, hein, de ce prix de la voiture connectée 01 net. Exactement, avec euh, Jean-Luc Moreau, RMC, vous connaissez bien François. Voilà. Jean-Luc Moreau qui euh... sera là dans un instant, d'ailleurs, hein, pour le prix, le, le coup de cœur de la voiture connectée. Parce que pour chaque prix, on a un consultant spécial. Évidemment. Hein, et puis, David Noguera, tout à l'heure, on garde le meilleur pour la fin, les amis, pour le prix de la voiture connectée <laughs> 2017. Et on n'oublie Je... pas Guillaume Crunel de Loite, qui est aussi notre quatrième membre du jury. Voilà, et qui a participé, évidemment, euh, à ce jury. Pauline, avant de découvrir le gagnant, donc de cette première catégorie peut-être les forces en puissance les trois nominés qu'il y avait au départ alors les trois nominés donc on avait l'audi a 8 on avait aussi le porsche cayenne et la mercedes classe s donc on avait deux grandes berlines et un suv le oui. cayenne et où du coup bah, on mêle du luxe de la techno enfin pratiquement toutes les technos qui étaient dans votre question on les retrouve dans les trois et euh, bah, voilà. L'idée là, le gagnant, c'est euh, la voiture qui intègre le plus de technologies. C'était quoi le pitch en fait, pour que la voiture soit la gagnante Alors c'est la voiture qui intègre le plus de techno, mais qui aussi arrive à, aussi, à avoir une version prospective, puisqu'on sait que dans l'industrie automobile, généralement, les technos arrivent par le haut, par les modèles haut de gamme, et après se répandent dans tout euh, le reste des modèles d'un constructeur. Et en fait, c'est vrai que là, le but, c'était vraiment de voir ben, ce qui arrive aujourd'hui dans le luxe et ce qu'on retrouvera demain dans la voiture de Monsieur Tout le Monde d'ici quelques années. Oui. Que la voiture qu'on va voir là, Jérôme, c'est un peu la voiture de demain. Finalement. Oui, donc vous avez pris quasiment les, 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 les très hauts de gamme de chaque constructeur, enfin de certains constructeurs. On a pris le très haut de gamme de constructeurs qui sont eux-mêmes du haut de gamme, donc c'est vraiment le, le haut du panier. C'est le, le gratin, c'est la crème de la crème. Hein. Alors qui de Audi, de Porsche ou de Mercedes a remporté, les amis Attention, le suspense est terrible. Eh bien, c'est Pauline. C'est l'Audi A8. Et c'est l'Audi A8. Eh bien, vous savez quoi Comment on fait ça Très bien ici à Zéro. Elle NTV, est ici, l'Audi A8. Elle est ici. <rire> non, <rire> Regardez, voilà. Elle n'est pas là. Elle apparaît elle mais elle n'est pas loin, mais en revanche, on a la chance d'avoir le responsable communication d'Audi France qui est avec nous dans ce studio, Fessal Elastri. Bonsoir Fessal. Bonsoir. Et Bonsoir. bravo Merci. Mais merci ça, c'est la première chose qu'il faut vous dire. Bravo, félicitations Merci. Ravis, euh, ravi d'apprendre que, que Audi euh, avec l'Audi A8, euh, remporte, remporte ce prix. Bon, Pauline, par quoi euh, commence-t-on en fait Qu'est-ce qui vous a plu dans cette voiture bah, ce qui nous a plu absolument, c'est euh, la conduite autonome. Parce qu'en fait, cette voiture, euh, elle a déjà été pensée pour être une voiture autonome. Alors c'est vrai que la législation ne le permet pas encore. On n'a pas encore le droit d'enlever les mains du volant. Mais dès que la législation va bouger, en fait, cette voiture, elle a déjà toutes les technos. Elle a déjà intégré tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire des caméras, un laser scanner. C'est la première à en avoir une, deux, un de série. Elle a aussi euh, des radars. Et en fait, avec tout ça euh, combiné, en fait, une, elle aura une délégation de conduite de niveau 3. C'est-à-dire qu'on s'imagine, euh, François, Jérôme, ben demain... Euh, à 60 km/h quand on viendra euh, travailler oh, euh, à la radio, bah, au lieu rêve. de conduire, au lieu de s'énerver de se dire ah je peux pas, il y a des bouchons c'est embêtant, et ben on sera avec notre journal, notre livre, sans toucher les mains du volant, son petit ordinateur, son petit ordinateur, ouais. son smartphone et on fera tout ce qu'on veut et c'est la voiture qui gérera toute la circulation. Ce qu'on a bien <laughs> sûr pas le droit de faire aujourd'hui, on le rappelle. Ouais. Et ça c'est vraiment ce qui nous a séduit parce que c'était vraiment une vision à la fois. C'est déjà dans la voiture aujourd'hui et dès que la législation change, ça le permet, donc il y a une vision Alors, prospective. Mais ça le permet, Pauline. Ça veut dire quoi? Euh, il faudra faire une mise à jour, il faudra appuyer sur un bouton, enfin on sait déjà euh, le, le, le jour J quand ce sera possible, ça se passera comment C'est-à-dire que les gens qui achètent ce véhicule aujourd'hui, admettons que dans trois ans, euh, ce soit possible sur certains tronçons, comment est-ce qu'ils pourront activer cette fonction autonome alors, du coup, le, la, ça c'est encore en discussion parce que le, 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 la réglementation n'a pas mmh. encore été construite. On sait qu'a priori, si le niveau 3 de délégation est autorisé, on pourra euh, enlever euh, les mains du volant, mais il faudra euh, faire un certain nombre de modifications. Et en fait, euh, la question c'est est-ce que la législation imposera de mettre un nouveau bouton, par exemple, de sécurité, ou mmh. imposera euh, certaines protections logicielles. Mmh. Et ça, on ne le sait pas encore. Et donc, les constructeurs, dont on dit, attendent vraiment de savoir ce qui va se passer pour euh, faire des modifications dans la voiture. Mais en tout cas, il y, y a déjà le hardware. Pour quel rôle le est dedans. Fais ça je crois que c'est l'un des, des premiers véhicules à être de niveau 3 en matière de, de, de véhicule autonome. L'audi A8 est le premier véhicule de série à proposer ce niveau 3 d'autonomie. Donc rapidement, euh, c'est sur une échelle de 5, euh, sachant que le niveau 5, on parle d'un véhicule sans volant. C'est le concept car qu'audi a présenté par exemple lors du dernier salon, salon de Francfort, l'audi le, le, icon. Euh, donc là, niveau 3, en fait, c'est le premier niveau réellement d'autonomie. Euh, niveau 1 et niveau 2, on parle d'assistance, d'assistance, voire d'assistance même très, très poussée, mais on reste, on reste sur l'assistance. La vraie différence entre l'assistance et l'autonomie, donc entre le niveau 2 et le niveau 3, c'est principalement euh, ce transfert de, respons de responsabilité. C'est qu'à partir du moment où on parle d'autonomie, euh, on n'a plus besoin de demander au conducteur de rester vigilant, de surveiller les alentours. Ouais. Il peut réellement faire autre chose. Fait ça, concrètement, ça veut dire quoi Niveau 3, l'Audi A8, bon, quand elle sera mise à jour, ou peut-être qu'elle est déjà... La, déjà la voiture, voiture aujourd'hui est prête. C'est la législation. La en voiture aujourd'hui est prête. Jour, voilà, elle est prête. On a déjà fait des démonstrations d'ailleurs. Euh, la seule chose qu'on attend aujourd'hui pour la commercialiser, c'est d'avoir le droit de, euh, de, 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 de l'homologuer. Et à partir de, de, de ce moment-là, lorsque vous aurez l'homologation, ça veut dire qu'on pourra conduire dans certains, sur certaines routes etc. Ouais, conduire, pas conduire certaines... tu ne conduiras plus voilà sans, <laughs> sans tenir le volant sous, sous certaines conditions donc euh, ce sont des certaines contraintes de, comme par exemple euh, deux fois deux voies euh, une vitesse limitée à 60 km/h euh, que, que, que les voies soient séparées par un terre-plein central à partir du moment où la voiture va reconnaître que ces conditions sont remplies la voiture va proposer au conducteur de, de passer en mode autonome et donc là le, le conducteur n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton et euh, il pourra, euh, pourra faire autre chose euh, du type regarder un, regarder un film sur l'écran d'infotainment. 60 km heure, bon, c'est bien, mais c'est un peu restrictif quand même, non Alors, euh, l'objectif d'Audi, c'était lorsqu'on propose un véhicule... Autonome, la première étape, le, la première réponse qu'on voulait apporter, c'était euh, notamment euh, concernant les embouteillages. On sait aujourd'hui que c'est vraiment un moment dans lequel on prend aucun plaisir, euh, enfin très peu de plaisir à, à, à conduire. Mm. Euh, le plaisir est quelque chose d'important euh, euh, pour une marque comme Audi. Euh, et donc on voulait s'attaquer tout d'abord à, 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 aux embouteillages. Et donc c'est pour ça qu'on qu a, qu a mis et cette contrainte de 60 km heure. Alors tout, tout ces, tous ces capteurs, ces caméras, ces lasers, effectivement, c'est aujourd'hui des, des équipements assez coûteux, hein, Pauline. Mais on peut imaginer, comme pour l'ABS, comme pour les airbags, etc., qui étaient au départ des, des équipements sur des véhicules très haut de gamme, que ça arrive en fait dans le milieu et dans l'entrée le, de gamme Parce qu'on peut imaginer peut-être une Audi A3 dans quelques années avec toute cette techno Effectivement, c'est l'objectif, c'est la stratégie d'Audi, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Pauline, ce genre de technologie euh, très, très innovante qui arrive sur mmh. le marché commence toujours par le, le véhicule porte-étendard hein, de, de la gamme, parce que si la technologie coûte cher, euh, les, les, les capteurs, on parle de scanner laser, hein, c'est une première mondiale, c'est une, une technologie qui est issue euh, de la technologie militaire, donc euh, qui, qui, qui a un certain coût. Euh, ce coût est beaucoup plus facilement euh, absorbable sur un véhicule. Euh, sur un Haut de gamme, oui, très bien. Sûr. Sûr. Ça, coûte, ça coûte encore un peu cher, toutes ces petites choses, mais, mais effectivement, on peut espérer, et c'est effectivement dans la stratégie, qu'avec le temps, ce soit des choses qui, qui coûtent de moins en moins cher avec l'industrialisation et qu'on retrouve ensuite sur la gamme, sur A6, sur A4, jusqu'à jusqu'à la 1 demain, et puis même sur dans, dans tous les véhicules du groupe Volkswagen à terme. On oui, peut imaginer oui, oui. que ça, peut arriver, ça puisse arriver sur, Effectivement. Euh, sur des golfs ou enfin, voilà, Effectivement. parce qu'aujourd'hui vous êtes une... enfin voilà euh, le, le groupe. Euh, le, Audi le temps passe pas. Le, le temps pas, pas, pas pour tout de suite. <laughs> non c'est sûr le mais temps, ça le temps s'accélère. Le <laughs> temps s'accélère. Non mais ça va vite hein, ça va vite. Et bien bravo encore. Fessal. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Beaucoup. Merci. Le prix de la voiture donc euh, Connecté luxe. Euh, et décerné euh, donc à Audi avec 7 à 8. Merci Pauline. Merci beaucoup. On Pauline, va parler dans un instant de la deuxième catégorie qui est donc la catégorie coup de cœur. On vous rappelle juste avant que vous pouvez, euh, comme d'habitude, comme chaque jeudi, intervenir, euh, interagir, poser vos questions, faire vos commentaires sur Twitter, hashtag 01Live, puisqu'on est en direct comme chaque jeudi soir. A tout de suite. Avec toujours cette question 01 net orange, hein, Jérôme, euh, oui. on vous, euh, justement, euh, questionne ce soir concernant ce que vous attendez comme innovation technologique dans la voiture. Cette question, zéro net Orange, la voici. Quelle est la techno que vous préférez dans une voiture ben C'est la compatibilité Android Auto ou CarPlay. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment tête. le smartphone qui ah, est, est hyper important. Mais c'est euh vrai ouais. que c'est la première chose qu'on demande aujourd'hui à un véhicule. C'est que, ben voilà, qu'on ait un Android ou un, un smartphone ou un iPhone, on le, on le pose comme ça dans la voiture et automatiquement, il y a une continuité. Il y a une continuité de, et tout marche facilement. Et Ensuite, le, fonctionne le stationnement automatique, ça vous le voyez, pratique. oui, c'est bien aussi. L'affichage tête haute. Moi, j'aurais voté ça personnellement. Et puis le Wi-Fi intégré. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter. Euh, c'est sur 01nettv.com notre question 01net Orange comme chaque jeudi. Bon, alors peur, le luxe, Jérôme, le coup de cœur de ce prix de la voiture <laughs> oui, bah, connectée. Euh, ça fait partie toujours du, du, sûr, du plaisir de l'automobile. Évidemment. Et nous accueillons comme euh, à l'instant eh un consultant, et en l'occurrence c'est Jean-Luc Moreau qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Luc, membre, bon membre de ce jury évidemment. Comment ça va Jean-Luc Moreau bah, pas, mal, euh, pas mal, je suis heureux de venir parler des danseuses du Lido euh, ah en oui. cœur. <laughs> c'est ça, je crois que vous êtes trompé d'émission. <laughs> Jean-Luc Moreau donc, qui est journaliste auto, que j'ai le plaisir de retrouver, enfin le plaisir, c'est un grand, bien grand mot, tous les dimanches matins, entre 7h et 10h sur RMC. Pour le week-end des experts et l'auto, on sera là dimanche d'ailleurs, hein, Jean-Luc. Je suis ravi d'ailleurs de t'accueillir ici. Je ne sais pas. Je pas, je je pas. Euh, <laughs> Jean-Luc fait partie donc du jury de ce prix de la voiture connectée. Et on va maintenant euh, eh s'intéresser au prix de la voiture connectée coup de cœur. Alors on rappelle Jean -Luc, les trois finalistes Les trois finalistes. Alors les trois finalistes, la Ford Fiesta. C'est normal on fait, la... on fait la fête donc euh, forcément on fait la fiesta Ça là, on n'a jamais dû leur faire fort, on la voit là je pense ouais. c'est bien <laughs> la 3 c3 vous avez bien vous cross tous les deux, hein. Ah cross ben, tu devrais écouter le, le dimanche mmh. et puis la troisième vous allez rigoler euh... <laughs> je suis pas sûr hein. <laughs> c'est c'est quoi tu sais pas tu as oublié j'ai oublié Dacia duster mais bah non j'ai pas oublié ah bon, bien évidemment peux. le dacia duster voilà, donc trois véhicules qui, alors, qui sont beaucoup plus abordables que l'Audi A8 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que vous prenez alors individuellement euh, chacune des trois et on, on serait revenu dix ans en arrière, on aurait pu les élire, enfin la technologie embarquée aurait pu être... Primé en tant que voiture, voiture de luxe. luxe. Et oui, Exactement. Et quand, et, et quand je vous écoutais juste avant, vous disiez ça va arriver, mais pas tout de suite. Si, ça va arriver tout de suite. Mm -hmm. Et ça va se démocratiser tout de suite, parce que justement le coup de cœur euh, de ces, sur ces trois véhicules, oui. c'est ça, c'est que euh, des technologies qui étaient du très haut de gamme il y a encore cinq ans, aujourd'hui sont dans des petites voitures accessibles à Monsieur et Madame tout le monde le système de freinage automatique, euh, le système de, de radar qui oui, va donc c'est vraiment de des... c'est des aides à la conduite oui, complètement On est ah, oui 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 il faut quand oui. même, cinq ans, il faut mais même bon temps, 5 ans Jean-Luc. Faut... automobile, c'est rapide. C'est rapide mais le temps s'accélère. Là où il fallait 10 ans autrefois, il faut normal. 5 ans, il faudra 3 ans et je pense que ça va se démocratiser encore plus vite à l'avenir. Alors, Citroën C3 Aircross, Dacia Duster et donc la Ford Fiesta Laquelle de ces trois était Tintin <laughs> le, véhicule, le tambours, coup de cœur. Bien, du évidemment, de bien évidemment, le prix a été un argument choc hein, oui, euh, bien sûr. dans le choix. Enfin, le prix, pas le prix de le, la voiture. Oui, le, pas le prix de la voiture. Le, le le, de la voiture les, ouais. les, les espèces sonnantes et trébuchantes euh, ont, ont joué pour beaucoup. Et puis euh, on a choisi de euh, récompenser... Une petite voiture, donc je vous donne quand même des éléments. Vous avez oui. vu petit à petit parce qu'on avait deux SUV oui. et une voiture plus petite. Donc pour la, Ça sent mauvais a, pour le dacia deux. On, a, de on a choisi de récompenser une petite voiture qui était bourrée de qualité oui. et qui avait un petit défaut à mon sens, euh, c'est que euh, euh, c'était un peu fouillis à bord. On va dire ça comme ça. Voilà. Et, et, la, et la Fiesta, parce que ça y est, je l'ai dit, la Fiesta a fait des progrès tels que elle mérite ce prix coup de cœur de la voiture connectée de l'année du jury et donc la, la nouvelle Ford, Ford Fiesta. Fiesta est la gagnante et vous savez quoi ça tombe bien puisque nous avons le directeur de la communication de Ford France qui est là bonsoir Fabrice Devanlet. bonsoir merci d'être là et bravo merci beaucoup et bien voilà après l'audi A8 le deuxième prix pour euh, donc le coup de cœur du jury et bien c'est la Ford Fiesta hum. première réaction alors très très content évidemment et très très fier c'est toujours agréable de recevoir un prix donc la voiture est en commercialisation depuis à peine quelques semaines donc c'est toujours, toujours marquant de recevoir une récompense quand on arrive. C'est toujours motivant également pour les équipes qui ont travaillé très très dur pour développer cette voiture et puis pour les équipes qui la vendent. Et puis c'est également une récompense qu'on attendait depuis longtemps parce que Ford est une marque qui démocratise la technologie depuis longtemps. Et le fait d'être reconnu comme, comme une marque qui démocratise la technologie, qui la rend accessible au plus grand nombre tout de suite, c'est extrêmement important pour Ford. Alors, on va rentrer dans le concret. Quelles sont les innovations technologiques qu'il y a dans ce véhicule alors, plus que de l'innovation, euh, là, c'est un concentré technologie et d'aide à la conduite que l'on rend disponible dès, quasiment dès l'entrée de gamme. Euh, on l'appelle le pack assistance, mais moi, je, je lui donne un autre nom pour mieux comprendre. C'est le, le pack ange gardien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de technologies, des capteurs dans tous les sens, qui surveillent en permanence votre conduite et qui, un jour, vous sauveront la vie avant même que vous réalisiez que vous étiez en danger. Exemple L'aide bah, au maintien dans la file. Vous n'êtes pas attentif, vous regardez ailleurs, la roue, la, la, la roue va légèrement empiéter sur le, le signalement au sol, et la, le volant tout de suite va tourner, va vous remettre dans la bonne trajectoire. Et puis si vous le faites trop souvent, bah, la voiture va dire Ah, la personne doit être fatiguée, elle vous prévient en disant Vous devriez vous arrêter pour dormir. C'est des choses assez simples. L'éclairage intelligent qui va identifier qu'une personne traverse que ce soit une personne âgée avec un déambulateur, que ce soit une jeune maman avec une poussette, que ce soit un enfant sur un skateboard ou quelqu'un qui promène son chien, il va distinguer la forme et identifier qu'il faut s'arrêter avec le freinage d'urgence parce que là, on va écraser quelqu'un. Toutes ces aides à la conduite, ce sont des choses qui vont vous changer votre vie. C'est ce qu'on appelle la technologie utile. Donc ce n'est pas encore la voiture autonome hein, là, Oui, hein c'est ce que j'allais dire. On n'est pas, en pas encore dans la voiture autonome, est... mais il faut remarquer que ce sont les briques qui vont servir pour la voiture ça, autonome. C'est déjà présent. Oui, 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 Alors après, fort. il faut une puissance de calcul phénoménale pour arriver à la voiture autonome, mais chaque système est déjà radar, intégré. Hein, voilà, les systèmes sont déjà intégrés dans la fiesta. Et surtout, ce que va pas dire Fabrice, bien évidemment, c'est que... Alors c'est accessible dès euh, les premiers niveaux de gamme, c'est une option, mais c'est une option qui a un tarif, là aussi, très accessible. Ça coûte 450 euros, c'est ça ah, le, le, alors, le pack 2 Alors il y a les équipements qui sont en série, l'aide au maintien dans les fils par exemple, c'est en série sur la Fiesta. Euh, le pack numéro 2 va être à partir de 200 euros, le pack numéro 3 qui ajoute le régulateur de vitesse adaptatif qui mesure la distance de la voiture qui précède ça, et pratique. qui adapte sa vitesse. Donc qui est le pack le, qui comprend, contre, comprend toutes les aides. Lui il est à 650 euros. On, on, on comprend bien, on est sur l'autoroute, on met 110, d'accord. Ouais, la voiture va, va rouler à 110. Et s'il si y a par exemple un embouteillage ou... Elle euh, voilà, va ralentir voiture, voiture, toute seul. seule. Oui, On n'aura oui, rien à faire. Exactement. Elle va ralentir toute seule, voire freiner, réaccélérer lorsque la voie est libre. Et puis après, il y a d'autres choses. Euh, vos, 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 vos spectateurs le disaient. Une des technologies la plus demandée, c'est les compatibilités smartphone, bah, La Fiesta, par exemple, elle est compatible CarPlay, Android Auto dès le, dès le début. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes aussi. Pourquoi Parce que l'usage d'un smartphone en conduisant c'est dangereux. C'est pour ça qu'on a une commande vocale extrêmement élaborée qui fait qu'on n'a plus du tout besoin de toucher son téléphone et ça aussi c'est de la sécurité mais c'est vrai que c'est incroyable de trouver ce, ces fonctions là sur un petit véhicule parce que c'est une petite voiture euh, la Fiesta oui ça reste une ça reste une petite voiture et même euh, là on vient de voir alors l'image furtivement oui. c'est vrai que on a aussi un système audio BO qui est disponible dans une Fiesta oui, oui. donc on, on, peut, on peut pas imaginer ça c'était sur du euh... on peut faire quoi donc dans la voiture on peut faire là en fait. ah, il l'a déjà fait une fois, il m'a fait. Non, mais parce qu'il m'a qu qu fait, il va même même ça, fait oui. ça me fait peur, ça me fait peur faire. parce qu'il me fait ça le dimanche. Ouais, bah oui. C'est terrible. Maintenant, enfin, enfin, C'est je... pas grave. Euh, ça, ça veut dire que euh, si vous... C'est pour prenez... ça qu'on l'aime. Hein. Si, ça veut dire que pour un, un, un prix hyper intéressant, on peut avoir toutes ces fonctionnalités. Mm -hmm. Dans 5 ans... On aurait une voiture autonome, une Ford Fiesta autonome. On Alors, peut imaginer ça Ford a déjà annoncé un objectif à, à 2021 pour une voiture totalement autonome. Mais comme le disait Jean-Luc, Jean en fait, la voiture autonome va avoir plusieurs étapes. Une première étape avec, tu parlais de briques, moi je parle de puzzle. C'est plusieurs éléments de puzzle qui, au final, lorsqu'on les assemblera, donneront la voiture autonome. Et puis il y a autre chose, c'est il y a les moments où elle sera autonome par rapport à d'autres moments. Aujourd'hui, une voiture, c'est assez facilement conduire seule sur une autoroute entre Paris et Lyon à partir du moment où elle a passé la barrière de péage elle a beaucoup plus de mal à affronter la circulation de la place de l'étoile. Donc il y aura des endroits pour où un les être humain, ce pas évident. Et voilà, il y aura des endroits où les voitures seront autonomes plus vite. Quand est-ce qu'une fiesta aura des, des modes semi-autonomes Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais, euh, mais la, la, il y aura des voitures semi-autonomes chez Ford dès l'année prochaine. Et vous savez quoi, la vraie difficulté, là je reviens sur la place de l'étoile, parce que c'est très intéressant. Le jour où une voiture autonome seule pourra franchir la place de l'étoile, ah, hein. la voiture autonome sera ah, oui. arrivée au top. Ah, non, Pourquoi ça, Parce que pour arriver à passer, <laughs> il faut forcément... Il faut des capteurs. Hein. Non, mais il faut non, forcément le code de la Exactement, il faut enfreindre le code de la route. Merci beaucoup Jean-Luc Moreau. Et merci à Fabrice Devantley. Et encore bravo, donc pour merci ce beaucoup. Prix. Euh, du jury, le coup de cœur donc de cette voiture connectée euh, est décerné donc à la Ford Fiesta. Il nous en reste un de prix. Oh à oui, juste avant, un petit coup d'œil sur la, la question Orange. Oui. Hein, question Zoranette Orange du jour, consacrée à la voiture. Qu'attendez-vous le plus euh, d'une voiture du 21e siècle Quelle est la techno qui vous fait le plus envie eh bien, on le voit, c'est toujours la compatibilité Android, Auto ou CarPlay pour votre à smartphone. À 43%. Ouais. Suit le stationnement automatique. C'est mmh. voilà, vrai que c'est une option qui, qui vous plaît euh, visiblement. Ensuite, l'affichage tête haute que tu aimes bien. C'est très pratique, rappelons oui, ce que c'est. Hein. C'est-à-dire que l'affichage est en transparence sur, sur le pare-brise. Ouais. C'est pas mal. Et puis en dernier, le Wi-Fi intégré euh, qui peut-être aussi va se généraliser dans les années qui viennent. Vous restez avec nous le prix, de le, le prix principal, on va dire. On le retrouve tout de suite. Le prix de la voiture connectée de l'année 2017, c'est maintenant que vous allez le découvrir, les amis. Et à côté de Jérôme, il y a notre spécialiste voiture connectée, David Noguera. Salut, David. Bonsoir, messieurs. Salut. Ça fait toujours aussi chaud ici, hein. Ah oui, Toujours. Hein. <laughs> Et ouais. Salut, David Noguera. Euh, David, on va rentrer dans le vif du sujet. Et eh oui. Il y les trois nominés. Tout, <coughs> Tout à fait. On va peut-être revenir sur ces trois ouais, nominés. Les hein. trois nominés de, de cette catégorie voiture connectée de l'année, donc Volkswagen Polo, Toyota euh, Prius. Et euh, la dernière qui m'échappe maintenant, Seat Arona. Seat Arona. Voilà. Arona. C'est ça, on avait ce SUV. Donc, trois beaux véhicules, hein, chacun avait son, son, son lot d'avantages, de, de, avec de l'Alexa chez Seat, un panneau solaire sur le toit du côté de la, de la Toyota Prius. Ah et oui, c'était sympa, ouais, sympa. Et puis, on avait cette polo avec tout plein de connectivité à l'intérieur, des aides à la conduite à foison, etc. Et on sait maintenant, puisque le jury a délibéré, on sait qui a gagné. Et, et, et la crois. coupure <laughs> Et là, on rend l'antenne, les amis. On va mettre la mire. Demain, non, ça. le gagnant donc le prix de la voiture connectée des Cernéa. La Volkswagen Polo. La enfin, Volkswagen Polo. Tout à fait cette euh, Citadine qui a bien grandi. Hein. C'est vrai que on a eu euh, mais c'est vrai que génération en génération elle gagne quelques elle centimètres. Gagne quelques hein, quelques la centimètres. Polo. Hein. Et cette année elle a ouais. grandi un petit peu, mais ça reste une Citadine. Elle va se transformer en Golf. Euh, <laughs> ah, voilà. Alors non là, parce là, que on la va laisser On Golf. Gagne centimètres lycée. aussi, si c'est ça le oui, but. Non mais c'est vrai que la Polo est une super voiture. Mais tout alors pourquoi pourquoi lui décerner ce prix de la voiture de l'année Eh bien parce qu'en fait cette Golf elle a tout, entre guillemets cette polo, non, cette, cette polo. polo. Cette polo. Tu vois, bravo <laughs> cette polo elle a tout euh, toute cette connectivité qui descend petit à petit des véhicules premium qui est arrivé par par des véhicules comme la Passat aussi et qui arrive maintenant sur cette jolie petite polo Donc, -à -dire avec euh... plein d'équipements numériques à l'intérieur des choses qui étaient réservées comme des grands écrans numériques à la place du compteur traditionnel un grand écran central tactile de la reconnaissance vocale là encore et puis un lot de, de techno de sécurité avec du freinage d'urgence on en a parlé beaucoup ici sur, sur toutes les marques. Et nous sommes ravis d'accueillir voilà. Antoine Veil. Bonjour Antoine Veil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service produit Volkswagen France. Bravo Eh bien merci. Tout d'abord, merci à vous. Merci. Félicitations. Toujours euh, très agréable de recevoir ce genre de prix d'expert en technologie. Donc euh, pour nous, c'est un grand plaisir. Voilà, il faut parler très précisément. Et, euh, et, voilà. et nous vous remercions. Donc voilà. prix de la voiture connectée pour cette année 2017, c'est la nouvelle Polo. Euh, c'est ça le message, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une voiture. Euh, abordable, hein, ouais. avec un concentré de technologie, euh, donc c'est destiné pour tout le monde. Exactement. Et puis euh, je suis ravi d'entendre dire que c'est une petite golf, parce que c'est ce qu'on a voulu faire, hein. tout le concentré de la golf dans une polo, mais dans les dimensions d'une polo, puisque la polo reste quand même que une voiture citadine qui fait 4,05 m, donc qui s'inscrit vraiment dans les, euh, dans les codes des voitures citadines. Mais on sent que ça va au-delà des fonctions pratiques et des fonctions de conduite, c'est on est dans, dans le confort, dans le numérique, dans le numérique au service vraiment du, du confort. Hein. Exactement, donc il y a différents types de technologies qui équipent cette nouvelle polo. Donc il y a tout d'abord la sécurité, puisque la nouvelle polo est équipée du freinage d'urgence, elle est équipée de la reconnaissance des piétons, donc très très utile en usage urbain. Et puis on a orienté la nouvelle polo vers ce que sera la voiture de demain, c'est-à-dire une voiture qui sera connectée. Qui recevra des médias, qui euh, communiquera avec son, euh, son utilisateur. Et euh, donc, on a développé les écrans sur cette nouvelle Polo. Et on peut voir que sur une même ligne horizontale, désormais, on va avoir euh, ce que nous, nous appelons l'Active Info Display, c'est-à-dire l'affichage digital des informations relatives à la vitesse, mais qui va pouvoir aussi intégrer tout un tas d'informations, comme la cartographie, et laisser la place sur le même axe horizontal de la planche de bord à euh, un autre écran qui lui recevra toutes les informations relatives aux médias aux voyages et euh, elle est euh, doublement connectée puisqu'elle reçoit à la fois donc les applications euh Android Auto, CarPlay et Mirror Link. Donc je ne suis pas obligé de choisir mon téléphone par rapport non, à la voiture. Non, nous, <laughs> nous avons quand une même euh, pratique. Voilà, ou l'inverse. Ou <laughs> la voiture qui est euh, la voiture de toute la famille avec euh, effectivement la possibilité de mm. pouvoir passer de son smartphone Android à son smartphone iOS. Ah ouais. Et ce qu'on voit là, justement, euh, on parlait de véhicules premium, et on y était. Hein, ça c'est arrivé, ça s'appelle oui. Virtual Cockpit chez Audi. Et c'était vraiment réservé à, à du... Euh, et maintenant, c'est une vraie y premium. Des écrans partout. Voilà, Le chargement induction, mais, si j'ai l'impression. Chargement induction, oui. toutes ces technos qui active directement depuis les boutons une interface qui est complètement numérique et personnalisable puisqu'on va avoir différents modes de conduite qu'on va activer Mais depuis l'écran central juste juste un mot le chargement induction c'est un truc génial parce que là plus de eh câble oui. parce qu'aujourd'hui on a Pour tous la voiture, des câbles dans, dans la voiture branché sur les cigares ou sur un port usb bah, on, sans, on attend euh, le, on là, attend auto sans fil hein, mmh. ou carplay sans fil et voilà et, et, et alors voilà alors c'est vrai que CarPlay n'est pas encore sans ouais. fil vraiment, du coup, mais euh, ça devrait ouais. arriver d'après ce que, ce que dit Apple. Et là, donc ouais. là, on n'aura plus du tout de câble. Alors on n'aura plus du tout de câble. Et puis au-delà de euh, la connectivité de votre smartphone, chez Volkswagen, on a développé ce qu'on appelle Carnet de Guiding Inform, des informations relatives au voyage qui permettent... Euh, Dès lors qu'on a un GPS sur la voiture, d'être 100% connecté avec euh, l'écosystème Volkswagen. C'est-à-dire qu'on va créer un compte, on va associer la voiture à ce compte et nous allons fournir à nos clients des informations pour leur faciliter les déplacements des services de mobilité. Et ils vont pouvoir obtenir en temps réel des infos trafic, ils vont pouvoir connaître les parkings à proximité avec le nombre de places disponibles, les stations-essence avec le prix actualisé en temps réel. Et ça, c'est deux séries sur nos voitures dès lors que vous disposez d'un GPS. Et toutes les dalles sont tactiles sur Polo dès le premier niveau de finition pour profiter de tout ce qui est média. Sur YouTube, un petit message pour vous, Antoine. C'est Zen Globo qui nous dit, terrible cette Polo. Pourtant, je roule en golf, mais cette citadine m'attire beaucoup. On dirait une petite golf bourrée de technologie, mais surtout très légère par rapport à la golf. Alors, je ne sais pas si elle est plus légère, mais c'est est vrai que... Forcément, elle... un petit peu plus ouais, légère, légère. puisqu'elle est plus Mania petite. Aussi, euh, elle est sur le même type de technologie avec la plateforme, mais la, justement, la plateforme citadine. Finalement, à réflexion de, de, de cet internaute sur YouTube, euh, est-ce que, euh, finalement, si je ne si, euh, serais pas plus tenté d'acheter une polo qu'une golf avec toute cette techno, on a voulu la Polo la plus polyvalente qui soit. C'est vrai que c'est une Polo valente. Est... Attends, là, on dit exactement. La Polo valente, je... la je voiture je qui soit. Merci beaucoup. Une voiture qui soit, fini, hein. <laughs> qui soit à la fois citadine et routière. Et après, effectivement, on a... la Golf vient en complément de la Polo. Et comme toute notre gamme va se décliner euh, avec ces des motorisations différentes. pardon toutes ces technos arriveront dans la golf ou sont déjà dans Elles la golf ah non la la ce sont des technologies qui sont descendues de la golf sur l'Apollo, et ouais. après la, la, la golf va venir en complément dans la gamme avec d'autres motorisations Donc des la la versions électriques plus. des versions hybrides rechargeables du du motion et des motorisations un petit peu plus est-ce que la golf euh, en aura plus, plus, plus du coup en technologie ouais. Bah, la Golf propose un, un, par exemple un système de navigation intégré euh, Discover Pro ouais, comme ça chez nous, mm -hmm. euh, qui est plus ah, évolué peux, avec des services complémentaires alors. dans la co connectivité bien évidemment. Faut il, faut il faut progresser, il faut, David les constructeurs sur le GPS la navigation parce que c'est un peu le point faible hein, quand on par rapport. Bah, à, sur le, au sein des, par des, des aux smartphones euh, aujourd'hui. Euh, oui alors il y a ce, ce, au sein des véhicules maintenant du groupe Volkswagen c'est quand même euh, plutôt bien réalisé. On a quand même même des systèmes qui vont aller euh, chercher directement dans du Google Maps avec des vues mmh. en heures, en 3D. Alors il faut de la connectivité dans la voiture pour ça, mais le trafic ça fait partie aussi, des bons euh... systèmes multimédia, exactement, des, des services information, trafic euh, connecté, etc. Ah ouais. Donc on a quand même une, un bouquet de services. Il de la 4G est, dans ces véhicules, bien est, entendu. Ouais. Ou, euh, ou du partage de connexion. Il m'est arrivé de le faire en partage de connexion. Je ne sais pas si c'est toujours possible, mais à l'époque, en tout cas, sur, sur oui. d'anciens véhicules, il fallait passer par du partage de connexion. Eh bien bravo, bravo merci pour beaucoup. ce prix. Oui, merci à vous. Euh, la prochaine étape, eh bien, écoutez, ce sera l'année prochaine. Hein. Tout, tout à fait. Fait. On va remettre ça l'année bah prochaine. Ouais, J'y compte bien. <laughs> bien sûr, à l'occasion d'un grand salon, hein, puisque ce sera aussi le, 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 sera le mondial mondial de Paris. Voilà, le Mondial de Paris, tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup Antoine Veille. Avec plaisir. Merci Et à vous. le prix vous attend juste à côté. Merci voilà. bien. <laughs> Et euh, ce 01 Live Hebdo spécial donc prix de la voiture connectée 01net se termine, Jérôme. Oui, absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duarte, euh, Pierre Thiolin et Noémie Lefebvre-Marek qui ont préparé et réalisé cette émission. Et on se retrouve bien entendu jeudi prochain pour un nouveau Zéro en Live. Voilà, un petit, un petit coup de questions et net orange pour terminer, puisque les garçons le, 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 le crient, mais vous ne l'entendez pas, mais non, ils sont là, questions et net orange, Question. etc. Voilà, faire plaisir quand même. Voilà. Donc, euh, quelle est la techno que vous préférez dans une voiture bah, Toujours, ça n'a pas bougé. C'est toujours la compatibilité Android Auto ou CarPlay à 43%. Voilà, stationnement automatique derrière, avis châche-tête haute, et on termine avec le Wi-Fi intégré. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve très vite. Salut à tous.